7e session d'enregistrement. On est parti pour essayer de terminer le chapitre 7 cette nuit, puisque j'enregistre toujours de nuit. Nous étions donc à la recherche de Sayaka et de Nao, avec Haruyuki et Aiko. Admets-le, tu détestes tous tes amis. Le fameux parchemin maudit de Mudcover doit peut-être fuir. Toujours là, celui qui te crache à la gueule. Finalement, éventuellement, vous allez vous tuer les uns les autres. Et j'ai remonté un petit peu le son de la musique parce qu'elle me paraissait basse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aiko qui s'enjaille sur un papier qui veut ta mort et qui te crache la gueule. Une telle malveillance si resplendissante, pleine de resentful, de mauvaises ondes, de rage, si envieuse. Quiconque a écrit ça devait clairement avoir perdu toute santé mentale. Ce papier est un adorable objet spirituel en lui-même. Je dois l'avoir. Niyo-san ! J'ai obtenu le prospectus maudit. Mais qui aurait cru qu'un jour ce papier se ferait arracher ? Rejet. Pitoyablement merveilleux. Sauf que visiblement, le propriétaire du papier n'est pas très content. Il semblerait que l'esprit en possession de cet objet si particulier s'en fout que je sois contente, autant qu'il souffre lui-même. Et une ombre obscure est sortie de là où était le papier et nous a attaqué. Ah non, certainement pas. Un coup de talisman, c'est pas du tout un problème. J'ai rapidement sorti un talisman de mon portefeuille et je l'ai giflé avec sur le front. Un son comme celui du ricochet de l'acier a résonné à travers le couloir, alors que la sombre présence s'est retrouvée de force, bannie dans le papier, dans le papier maudit. C'est surtout une manière que le jeu va de nous apprendre que maintenant on peut se faire attaquer par des ennemis. De nouveau, comme Yoshi dans l'infirmerie. Nous ne sommes pas les chassés ici. Nous sommes les chasseurs. Toujours en train de brandir son portefeuille, elle a pris une pose d'animé et a souri avec triomphe. Avec quoi ? Elle sourit triomphamment. Sourit avec triomphe. Avec victoire. Tu sais, Sainoki avait l'habitude de faire d'utiliser cette même pose de victoire. Oh, comme c'est embarrassant. Nous devons nous dépêcher de trouver quelque chose qui appartient à Nao ici, un objet spirituel. Tu ne prévois pas de blesser Nao comme ça aussi? Eh bien, tout dépend d'elle, maintenant. En fait, j'étais furieuse de la perte de Nao. Mais je n'allais pas le montrer. Je voulais effacer tous les bas esprits qui remplissaient cet endroit avec leur malveillance. Je voulais une revanche. C'était personnel. Et je devais tout prendre pour apaiser ses instincts. Je vais prendre sur moi. À l'intérieur des Valiost,
les entités malicieuses vont te chasser t'attaquer. Si elles te touchent, tes points de vie vont se réduire et ton Darkening va augmenter. Donc c'est comme ça en fait. Tu es en possession d'un talisman, cependant, l'entité sera bannie. Mais note que chaque esprit que tu bannis te coûte un talisman, donc garde un œil sur ton stock. Et j'ai obtenu un talisman. D'ailleurs, je crois qu'il y a un chapitre où tu dois tuer tous les esprits et ne pas tuer tous les esprits sur le même chapitre. En fait, je vais plutôt monter en haut. Mais littéralement tout en haut, je crois qu'il y a un truc optionnel tout en haut. Ou pas. Et voilà. Il y a un name tag qui reste à côté du corps. Koraku Yanagiya, classe 3-2. Donc lycée Koraku Yanagiya. Uri Nakiyama. Il a souffert d'une décapitation suivie d'une amputation des membres. De tous les membres. J'ai pas l'impression de... avoir pris du Darkening. Alors je ne sais plus dans mes souvenirs où est Sayaka. Mais le jeu nous le dira bien avec le lore. Donc il y a un name tag à côté du cadavre. Je sais pas si c'est collège high class ou lycée. On va dire c'est high school, lycée, Sobutai junior. Enfin non, junior high class c'est collège. Ogasato Shimase. Il a été étranglé par un ami devenu fou. Charmant. En tout cas, il faut retrouver une planche. Mais qu'est-ce que... Non, c'est pas Nao. Il dit, ouais, attention. Les cordes de piano, elles sont là. Comme dans... tous les autres jeux. Une corde. Si tu marches dans des cordes de piano... Non, si tu marches dans cette corde de piano tendue, cela pourrait facilement te couper en deux. Est-ce que ce corps a été... Est-ce que ce piège de merde a été mis en place par une des victimes qui est venue dans cette école, peut-être ? Non, cela ne peut pas. Cela ne se peut pas. Je sens une profonde énergie spirituelle émanant de l'intérieur. Donc ça a été mis en place par un fantôme, alors. Je le crois. Peut-être que cet endroit lui-même l'a créé. Quel que soit le cas, nous devons considérer que nous sommes attaqués ici et avancer avec précaution. Oh, je plus sois. Merci, Ryuiki. Toucher une corde de piano, enfin toucher un piège de corde de piano va le déclencher. Et ça va faire baisser les points de vie du personnage que tu utilises. Mais tu peux casser les cordes de piano sans les déclencher. Cependant, non, par contre, en te tenant devant et en appuyant sur le bouton d'interaction A. Sauf que moi, c'est pas A. J'ai pas une manette d'Xbox, mais je ne connais pas les manettes. PlayStation. Cela la coupera et l'enlèvera définitivement du jeu. C'est carré. Donc il y a une corde de piano tendue au-dessus du sol ici. La position d'élastique. La corde a été correctement enlevée. Tu dois te dépêcher et mourir comme les autres. Il y a un intègre à côté du cadavre. Université Hiragawa, classe 1C, Kasuhisa Leda, succombé à un choc. Y'a rien. Donc c'est carré mon bouton d'interaction. Non, c'est quoi ?
une impasse, devrions repartir. La planche est là. Attends une seconde, Niwa. Nous pourrions utiliser cette planche pour quelque chose. Est-ce que ça va être le tuto de la tentacule du sol? Parce qu'il y a des tentacules normalement qui sortent de ça. De ces espèces de tas de chair de corruption. C'est piégé sous les bureaux. Je ne pense pas que je pourrais l'enlever moi-même. Est-ce que tu me ferais l'honneur, Haruki? Évidemment. Est-ce que ça ne te dérangerait pas de rester en arrière? Changeons de place et je vais l'attraper. Oui. D'une manière quelconque, Haruki a été capable de libérer la planche d'en dessous de cette montagne de bureaux. Et j'ai obtenu une planche en bois. J'ai quand même envie de voir ce qu'il y a là. Ah, ce sont les toilettes. Le l'évier. The faucet and the spin. Oui, non, les robinets bougent dans le vide. Et il n'y a pas d'eau qui en sort. Cet évier est complètement bouché avec de la mousse et des trucs gélatineux. Et ça pue. Une large partie de l'évier a été cassée et réduite en morceaux. Et les morceaux ont été mis de manière en bordel dans le bassin de l'évier. Ouais, dans la partie convexe de l'évier. Non, je veux ça. Donc il y a un name tag à côté du cadavre. Université Iwagawa. Classe 1C, Yuga Takahashi. Brûlé à mort après avoir été mis en feu. Cherchant désespérément de l'eau jusqu'à la fin. Il y a un cadavre à côté. Il y a un cadavre à côté du corps, oui. Il y a un name tag à côté du corps. La lycée Kitashiro. Airi Ayase. Succombé à un choc et a saigné, a saigné hémorragie après avoir pris un coup de couteau dans la poitrine. Je crois que j'avais frisé. Heureusement, la porte avec le symbole païen Glock semble soit verrouillée, soit cassée. Ça refuse de s'ouvrir. Du même message à chaque fois. Il y a quelque chose sur le sol ici. La batterie. Tant bien, j'ai une batterie infinie. Attention parce qu'il y a un succès pour ne pas mourir. Ah mais je crois que je l'ai déjà. En tout cas, on peut repartir. Vu qu'on a eu la planche. Faire une sauvegarde au cas où. Donc la session rate. Quelque chose a été mis dans un des carrés à chaussures. Emplacement de chaussures. Il n'y a plus rien. Ah bah tiens, j'aurais pu passer à côté. Mais la planche. Ah, bon on était obligé de passer. Ah bah je verrai, ça m'a raté, tant mieux. La porte ne va pas bouger. Cela donne l'impression qu'elle est tenue fermée de l'autre côté. Voilà, j'aimerais l'enlever sans me la prendre. Pas d'interaction avec le placard. Donc il y a une name tag à côté du cadavre. Aerial Intelligence General School, donc
collège, j'imagine, Léona Omoa, succombée à un choc et a saigné ou est morte d'hémorragie après que ses jambes soient amputées. Le bon goût comme toujours. Cadavre. Keimei Academy Middle Class. Yori Soramachi. Consumé par une substance inconnue. Ah non, a consommé une substance inconnue pour épuiser une voix, pour contenter sa faim. Elle s'est empoisonnée elle-même. Les bandages. Je sais plus si les bandages sont gardés entre les chapitres. Pas. Dans mes souvenirs, il y a un truc. Ah! Le second Wine Staircase. Hein, il y a une seconde aile de ce côté. Il y a une. On va dire une forte puissance, une forte présence spirituelle au fond de ces escaliers. Nombre d'innombrables âmes perdues crient en silence d'agonie et de désespoir. Ce serait pour le mieux de ne pas aller ici maintenant. Tout le bâtiment a changé. Là, en gros, c'est l'entrée du souterrain. Du souterrain de l'école. Il y a un name tag à côté du cadavre. Aerial Intelligent Generation. Allez, classe Emi Wakatsuki. Les organes internes ont été détruits par des coups répétés de marteau dans l'abdomen. Cet endroit, on ne l'a jamais vu, on en a entendu parler déjà. Et on l'entendra, j'expliquerai plus tard pourquoi. Les fameuses mouches. Les mêmes mouches, le même sound effect que pour Mayu. Quelle horrible odeur. Shishu ? これはもっと直接的な腐敗臭だね。ニオさんは後からついてきて。C'est l'odeur de la mort. Non, attends. C'est encore plus puant que ça. Quelque chose pourri. T'es en train de pourrir. Reste derrière moi, Niwa. お願いする。J'apprécie. Je crois savoir qui c'est. どうしたの？ Qu'est-ce qui ne va pas ? Ouais, c'est Yoshikazu. Pauvre Yoshikazu, voilà ce qui lui est arrivé. Depuis Tuyu, le pauvre. Empalé à mort. C'est un corps humain, c'est sûr, mais... Que c'est puant, ouais, au Gasly. Comme c'est puant. Le taux de décomposition ici, c'est... Ouf. Bah, s'il est là depuis Tuyu, ça fait un an qu'il décompose. Même peut-être plus. On dirait un rituel. Ce cadavre fait peut-être partie d'un genre de sort. Partons, je suis sur le point de vomir. Ouais. Pauvre Yoshikazu. Avec son marteau. Le corps était complètement crucifié avec avec du bois. Des poutres en bois. Des pales plutôt, des pales de bois. Et un d'eux sort, passe par ses entrailles et finit par la bouche. Et l'odeur produite par ce cadavre est extrêmement dégueulasse. Je sais plus s'il y a quelque chose d'autre au-dessus. Je sais pas si on peut y aller maintenant. Ah, je suis épuisé. Ah, bah, je peux l'expliquer du coup. C'est la cloche du cloître. Il n'y a pas de cloître dans ce jeu, mais... Ah, mais si, Corbel. Si, la cloche du cloître. Celle qu'on entend quand on doit évacuer l'école. En moins de 7 sons. Ouais, 7 sons. 7 sons. 7 sonneries. Mes oreilles. Du coup, cet endroit, on l'avait jamais vu avant. On avait juste toujours entendu cette cloche.
Mais qu'est-ce que c'est que ce son? Ça résonne tout autour de nous. Je ne peux le supporter. Même en bouchant mes oreilles avec mes doigts, ça ne fait rien. Mes tympans, j'ai l'impression qu'ils vont exploser. À mon avis, il vaudrait mieux partir. Est-ce que ça va? Je t'entends pas très bien. On pensait que j'allais mourir. Ouais, j'ai du mal avec les sons. Avec les forts sons. Ah, je souhaiterais que cet endroit nous donne une pause, déjà. Ah, je suppose que c'est pour ça que tu es si sensible, on va dire, durant les orages, Haruyuki. Oh, tu devais vraiment en reparler. Ah, c'est fermé. Le cloître est fermé. Là, repose-toi, t'as plus d'endurance. Par contre, on a plein d'endurance infinie. Ça rendrait le jeu trop facile. Par contre, on est vraiment crevé longtemps. L'endurance, elle est super mal gérée dans ce jeu. La vitesse à laquelle tu récupères de l'endurance, c'est abusé. Non, là. On est à l'étage d'au-dessus. Non, je voulais pas sauvegarder là. On peut déjà se cacher. Il y a un cabinet ici, on va dire. Encore c'est carré pour valider. Cercle pour sortir. Et A pour sortir. Ah non. Cercle pour refuser. Ouh, c'est la salle de musique. Est-ce que c'est un piano? Notre, on doit être trop proche de la classe de musique. Il vient d'en dessous. Essayons de le trouver. Ah, il est... tentacules. Il y a des tentacules complètement enroulés autour de la porte. Cela ne semble pas possible d'entrer à l'intérieur maintenant. Ouh, je t'ai vu. Je pense vraiment que nous devrions aller dans la salle de musique en premier. Ouais, on l'a vu, il y a corde de piano. Donc là, c'était la salle de peinture. Enfin, la salle d'art plastique. Je trouve que ça brillait dans le mur. Non, c'est ouvert. C'est devenu calme. Sayaka, irukai, ore da yo, Inumaru da yo. Sayaka, tu es là? C'est moi, Inumaru. Le piano. Okashii na. Tare ga hite itan daro? C'est si bizarre. Je me demande qui jouait. T'en es chaudement. Tare ga iru no ka? Sayaka.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est le cas. Mite, Haruyuki-kun. Beethoven. Haruyuki, regarde. Regarde Beethoven. Hein? Il a un petit peu repoussé des Beethoven. Oh, c'est effrayant. Vraiment, j'ai plus qu'Haruyuki. On peut pas parler à... Aiko. Là, ça va nous apprendre le tuto du Darkening dans mes souvenirs. Haruyuki, attention! Voilà. Souvent, il y aura des tentacules cachés sous les tas de chair comme celui-ci. Si tu es attrapé par elle, ton Darkening va augmenter et tu risques de mourir finalement. Elles t'attraperont. Quand elles t'attraperont, appuie. Fais du track and field sur le bouton coup fermé dès que possible pour t'en débarrasser. C'était chaud. Je pense que c'est pas passé loin, voilà. Je pense qu'on doit être. On doit faire attention à ces sols vivants maintenant aussi. C'est probablement mieux de rester loin de ces sols corrompus. On va appeler ça des sols corrompus. Il y a un name tag à côté du cadavre. Istkawaki Medal Faculty Sumitomito Ogiwara. Il utilisait ses compétences en exorcisme pour combattre les esprits, en espérant arrêter le Darkening, l'ascension, l'ascension. La montée de Darkening chez ses amis. Mais il est mort en se battant. Du coup, ça a monté mon Darkening? J'ai pas l'impression, c'est scripté. Les portraits au-dessus du tableau sont tous effrayants, avec des yeux brillants. Oui, merci. Je vais te tuer. Sur l'instant, c'est le coup. Tu peux entendre parler aussi. Je sais plus qui c'est. Non. Attention. Sacré piano. Le piano... Il a pris du grade depuis la dernière fois. Ah, c'était pas passé loin, merci Niwa. Niwa-san, Ushiro-da! Niwa derrière toi. Eh? Ah, l'autre fantôme. On ne connaît pas, mais qui visiblement vient d'ici. Nananda, kono heya wa! Mais vous non. Mais putain, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Pas juste cette pièce, mais le bâtiment entier, cet espace entier, il est rempli d'une pure malveillance. Senka ne semble pas être ici. Nous devrions partir. Est-ce qu'on peut réexaminer le piano? Tu vas bien? Oh, Dieu merci. Mais qu'est-ce que tu dis, Haruyuki? C'est pas Saeka, c'est juste un autre cadavre. Dieu merci. Oui. Le Darkening. C'est scripté, heureusement. Haruyuki? Je ne sens aucune présence étrangère. Ce qui veut dire. L'état mental d'Haruyuki s'effondre, ça continue, il va succomber au Darkening. Le
le tuto du Darkening, je l'avais dit. C'est l'esprit de cet homme qui est mort ici. Ça, c'est le piano. À ce point-là, ou à ce niveau-là, son esprit va être brouillé. Son corps va devenir noir autant que le charbon et il va mourir. Tu en connais au sujet du Darkening. Mon ami est mort, en est mort. Examine mon cadavre. S'il prie devant cette statue, il sera épargné de son destin. C'était trop tard pour mon ami. Mais ce n'est pas trop tard ici aussi. Merci. Les statues en bois, c'est ce qui va nous guérir le Darkening, mais seulement pour l'utiliser qu'une fois. Donc faudra faire gaffe. Statue, c'est peut-être ça. Ryuki, tiens ça. Miwa. Oh Dieu merci. Tu es revenu à la normale. Tu retrouves un état normal. Dans cet espace, même des objets qui semblent ordinaires peuvent être emplis de malveillance. Faites gaffe. C'est un bon conseil. Nous continuons à examiner les cadavres et dérangissons avec les esprits ici. Ça va avoir un sérieux état sur notre mental. À partir de maintenant, je pense que ce serait mieux d'éviter d'interagir avec quoi que ce soit de multiples fois. À part si on a une très bonne raison de le faire. Donc mon trophée, enfin mon succès Steam pour mourir de Darkening, je vais pouvoir le faire maintenant. Je ne suis pas sûr que je comprends entièrement, mais ok. D'abord on va trouver une save. Ouais, le piano. J'aime la prendre. On dit la voix de Nao. Qu'est-ce qui ne va pas, Niwa? J'ai pensé entendre quelqu'un m'appeler par mon nom. Cela devait être juste mon imagination. Cependant. C'est bien la voix de Nao. Chasser du profit dans un endroit comme celui-ci, c'est vraiment une cause perdue, Eiko. Je pensais que j'avais entendu des gémissements venant du sol. Il semblerait que c'était qu'il y avait une entité se cachant dans cette masse de chair. Oublie l'analyse, Niwa. C'est le moment de courir.
J'ai même pas eu le temps, il m'a touché. Alors normalement, si je ne me trompe pas, c'est toujours pareil. On peut recharger la sauvegarde et j'aurai toujours mon... Non, il fallait pas que je re-sauvegarde justement. Si j'avais rechargé ma sauvegarde là, l'esprit aurait disparu et j'aurais toujours mon talisman. Faudrait que j'y pense pour la prochaine fois. La porte est fixée au mur comme un modèle. Il n'y a pas d'indication signifiant qu'elle peut être ouverte. Je crois que j'aime la prendre encore. Nao, est-ce que tu es là? Eiko, donne-moi tes renseignements. Nio-san! Doushitanda? Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas entendu ça? Nani ga so? Entendu quoi? Les lieux se foutent de sa gueule. Et une statue pour ce guerre de Darkening. Des teacher roster from it here. Des carnets de professeurs. De chaque année de Heavenly Host ont été mis en ligne sur les étagères. Récupérer ici. Le journal de la classe, journaux de classe d'Heavenly Host sont alignés sur les étagères. Comment on fait pour changer de personnage déjà ? On peut pas ici. Il semblait qu'il y avait quelque chose. Peut-être qu'il faut Ryuki. Merde, j'ai pas lu. Une des étagères a été... est tombée. Et elle bloque ton chemin, c'est peut-être possible de... Ouais, de chauffiler par en dessous, de ramper par en dessous, mais seulement avec quelqu'un qui est plus petit, comme une fille. Donc, il va y avoir quelque chose, mais je vois pas quoi. Je ne sais pas. Plus tard. Il y a des cahiers d'étudiants sur l'étagère. Ça vient de, de l'histoire entière. On a quand même marché sur un tas de cadavres, sur un tas de chair. Il n'y a pas une âme. La pièce était vide, malgré la voix que j'ai entendue. Une voix que je connais particulièrement bien. C'était... Ah, j'avais oublié qu'il y avait ça. C'était la pause méridienne au lycée Palonia. Pain au citron dans ma main. Je sais pas ce que c'est que le lemon bread. Je cherchais Nao, qui avait déjà fini soit de manger, soit elle ne comptait pas manger. Et à la place, elle utilisait son temps pour lire. Nao-chan, senjitsu utta tenjinshou no jōhō, dou datta? Ah, c'est ce moment-là, je vais compte mon guillet. Hey, Nao. Comment a fini l'information que j'étais vendue sur Heavenly Host?
Nao a baissé son livre et m'a regardé. Elle souriait. Jojo-yo. Haikyo datta Yoshie no ie ni genkaku no ie ga arawareta. Sono chousa ni seikou shita wa. Cela n'aurait pas pu être meilleur. J'ai traqué le domaine de Yoshie et suffisamment tôt, une maison fantôme est apparue sur la propriété. Toute l'enquête a été un franc succès. Ça, on l'a vu dans les notes de Nao. Shigo no sekae tobu hōhō ga te ni haitta. Kore wa sugoi koto yo. Kibiki-sensei mo sugoku yorokonde kureta no. J'ai même mis la main sur des moyens pour visiter la jamais. C'est surprenant. Ce Kibiki était très content. Ara, yokatta wa ne. Eh bien, alors, c'est merveilleux à entendre. Arigato, Aiko. Nandaka, siyawase na mirai ga miete kita wa. Merci, Aiko. L'avenir s'annonce radieux maintenant. Mezurashii wa ne. Anata ga watashi ni orei wo itte kureru nante. Eh bien, c'est très rare. Tu me remercies. Rei wa ningen no kanchou no toku ni yuwatte iru bubun wo kougiki shite kuru. Les esprits chassent les émotions humaines, particulièrement dans les endroits où elles sont les plus faibles. Ça essaye de me faire rappeler des choses que je ne veux pas. Désolé, mais je ne vais pas jouer le jeu avec des tours de parole d'une entité au rabais, comme toi. Les humains sont faits de choses beaucoup plus sombres que ça. Tu serais surpris. Tu en aurais honte. J'ai écouté un autre show. J'ai fait mon speech, mais je ne pouvais pas changer l'expression sur mon visage, hormis un air renfrogné. Quiconque regarderait plus précisément aurait été capable de voir à travers sans aucun effort. D'accord, c'est là que ça apparaît. Cette étagère semble dédiée au discours de passage d'études de chaque année, pendant qu'Evan Lewis était toujours en service. On va la laisser là, la statue. Il y a un cadavre là. Il y a un name tag à côté du cadavre. Koraku Yanagai, classe 3A, Kota Gomibuchi, est absorbé par le sol mutant de chair. C'est un caméscope. Est-ce que c'est? Kashite-mite. Laisse-moi voir. Taguchi-san. Nako-chan no ie ni ita kameraman. Ano hito no mochimono da wa. Monsieur Taguchi, le caméraman de la maison de Nao. C'est la sienne. Mite miyo. Nani ka utsutte iru kamoshirenai. Devrions regarder, il a peut-être enregistré des choses importantes. Il n'y a qu'un fichier qui était sauvegardé. Qui a... Oui, a rembobiné l'enregistrement de la caméra. Cela a commencé immédiatement avec un craquement de porte qui s'ouvre, menant dans une petite pièce qui avait un décor japonais distinctif. À mon avis, il va trouver les corps de Nao et Kibiki. Est-ce que c'est la pièce du concierge? Taguchi a sauté en arrière et est tombé. Ouais, il est tombé. Mais putain, qu'est-ce que c'était?
La caméra était maintenant en train de bouger doucement et précautionneusement, de plus en plus proche de la porte coulissante à l'arrière de la pièce. Est-ce que c'est venu? Est-ce que c'est venu d'ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? La caméra a capturé un petit peu de Taguchi en train d'ouvrir la porte avec hésitation, non, de faire coulisser la porte avec hésitation. Alors, il a alors mis la caméra à l'intérieur, alors qu'il commençait à surveiller le contenu du placard. Il a rapidement découvert Naoe Kibiki. Deux cadavres empilés l'un sur l'autre. L'un était le professeur Kibiki et l'autre c'était Nao. C'était plus que des squelettes à ce niveau-là, identifiables uniquement par leurs habits. Et c'est là que l'enregistrement s'est arrêté. Peut-être que la caméra est en panne de batterie. Alors qu'elle marchait bien pour nous. La tête d'une Maru. C'était horrible. Je pouvais sentir la froideur de l'âme de Saenoki. Aussi froide que de la glace, elle est vraiment partie. Comment cela se peut, cependant? Comment une telle chose a pu se produire? Cela ne semble pas loin, quand nous étions tous ensemble souriant et riant comme n'importe qui. Haruyuki, que devrions-nous faire maintenant, plutôt? Que devons-nous faire maintenant? Se tenir ici et... grieving. Ouais, se plaindre. Ressasser. Ça ne va rien résoudre. Non. Nous devons croire. C'est juste, nous devons croire en Sayaka, sa volonté de vivre. Je ne sais pas ce que je dois croire maintenant, mais Haruyuki en a besoin. Moi, je me sens juste mal, et mon cœur bat la chamade. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Des émotions, il t'arrive. Tu as des émotions, Aiko. Il y a un name tag à côté du cadavre. Istokawa Middle Teacher, première fois qu'on trouve un professeur. Yuji Sanuki. Elle a succombé au Darkening. Des amis ont essayé de trouver un remède dans les temps, mais ça n'était pas été couronné de succès. Le papelard. On l'a vu sur le mur. Ouais, donc le fameux numéro qu'on a déjà vu. Et quel genre de numéro de téléphone c'est? C'est une voix électromagnétique, un phénomène électromagnétique, je sais plus quoi. Un pic électromagnétique. Quelque chose d'essayer de communiquer. Bon.
Inumaru, reste loin. Saigo ? Sayaka-san, hola ! Sayaka, écoute. Inumaru, dégage, Inumaru. Est-ce que tu es sûr ? Quoi ne pas l'être ? Sayaka, qu'est-ce que tu essayes de dire ? Où es-tu ? J'arrive pour t'aider. Pauvre Sayaka. C'est qu'elle est morte en plus. Tiens bon. Haruyuki-kun, attends-toi ! Haruyuki, attends. C'est trop tard. Il n'y a nulle part où être en sécurité. Merci. Sayaka ! On est déjà à la fin. Sayaka ! Sokon ni iru no ka ? Sayaka ! Est-ce que tu es là, Sayaka ? Ima ikuzo ! Je suis en chemin. Haruyuki-kun, tomate ! Haruyuki, arrête. On va faire la mauvaise fin, on va la... Nanda yo, saki kara ! Mais qu'est-ce que c'est ton problème ? Wana kamoshirenai ! C'est probablement un piège. Baka no ! C'est ridicule. Saki no hiroi trap o mita desho ? Kono gakkou wa meikaku ni hitogoroshi no ishi o motte iru wa. Tu as vu l'autre piège de toi-même, de tes yeux. Cette école veut notre mort. Cette école, elle veut surtout un point de save. Ah, oh, j'ai marché dessus. Il aurait pu y avoir un esprit dedans. Écoute, tu peux l'entendre. C'est la voix de Sayaka. Inumaru, laisse-moi sortir. Sayaka ! On sait que c'est pas vrai. Inumaru, Nao, aidez-moi. Jamais elle n'a pris à l'aide. Elle ne l'appellerait à l'aide. J'ai décidé de laisser Haruki aller, alors que je savais que si je l'ai, que je ne pouvais même pas la, que je, I thought it unlikely, comme si je ne pouvais pas l'arrêter, si j'avais essayé, même si j'avais essayé. La dévotion envers Sayaka était simplement trop forte pour moi, pour que je me tienne sur son chemin. Une plante pirate. Nanda yo kore ? Que dire d'autre, c'est une plante piranha. Une plante à grosses lèvres. Sacré temps de chargement.
ce que je fais. La prochaine victime est arrivée. Elle devrait être fun. Comment elle va crier pour nous, je me demande. Et qu'est-ce que ce serait le... Quelle manière de la tuer serait la meilleure? Ah, j'ai hâte de trouver. On sent pas trop leur voix, c'est pour ça que je parle. Ayons-la dans le dos. Je veux... rentrer à la maison. Attrapons-la par le cou. Aiko, tu es venu. Tu ne dois pas venir. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Nao n'est pas là. Tu dois repartir. J'ai regardé vers mes pieds et j'ai trouvé une grosse flaque de sang entre mes jambes. Je saignais à partir de la taille, ouais, du sexe, et ça sortait rapidement, comme une fontaine. Et cela devenait de plus en plus grave à la seconde. Et bientôt, enfin sous peu, j'étais pratiquement en train de me baigner dans mon propre sang. Un gros morceau de chair rouge-noir est tombé ensuite avec un gros splash. Et alors, un rouge, un orange, un blanc, un noir. Ouais, c'est l'entrée quoi. Oh, ce sont mes organes. Quel mot de fin. Je pouvais sentir une autre piscine de sang, ouais, une autre grosse flaque de sang dans le fond de ma gorge. Maintenant, ma vision est devenue... Ouais, ma vision est... Je voyais dans plusieurs directions, comme si ma tête avait été coupée en deux au milieu et ouverte comme un seul cabinet. Ouais, voilà, ouais, t'es ouverte en deux, quoi. À partir de la moitié, parallèlement. Le monde est devenu flou et a disparu alors que je tombais dans la flaque de sang. C'est dégueulasse. Ah, un Pyramid Head. Et on va s'arrêter là. On fera la bonne fin la prochaine fois. Finalement, on aura mis un petit peu plus de temps que prévu. C'est bon, j'ai pas trouvé tous les name tags. Peut-être que si, mais il me faut la vraie fin pour valider l'achievement. Ah non, j'ai 100%, non, il va falloir faire la vraie fin pour avoir l'achievement. Ça lors du prochain épisode. Bonne nuit.